Ouais! Salut à tous, ici TheZopic, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Don't Starve. Où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est où chez moi? C'est par là. C'est par là. On se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Don't Starve. Aujourd'hui, on va rentrer chez nous, déjà se faire à manger, essayer de se heal un peu, parce qu'on a pris un peu de dégâts avec la pluie quand même. On peut retourner une tombe. Ah, mais j'ai plus de pelle. Dig! Pose ça, vas-y, dig. Non, alors, ta gueule, toi. Toi, ta gueule. Voilà, merci. On va, bah voilà, on va pouvoir se healer avec ça. On ramasse ça. Je peux plus emporter, j'ai trop de trucs dans mon inventaire. J'ai droppé la nitre. Je vais m'équiper de. Non, je m'en fous de toi. Voilà, je vais m'équiper de ça. Je garde ma pelle en main et on va y aller. On va rentrer chez nous. On a le temps avant la nuit. Normalement, ça devrait le faire. En avant, en avant. Bah, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue toujours à la chaîne pour le record. Et puis voilà. Rien d'autre à dire pour le moment. C'est très bien. Honnêtement, cette partie est vraiment cool. Je suis vraiment content de moi. La game est chouette. Ça se passe super bien. Donc c'est vraiment, vraiment la sauce. Alors, il nous faut du coup le trou de verre. Le trou de verre pour rentrer chez nous. La santé mentale se porte bien. Il y a juste notre santé tout court qui est un tout petit peu basse. Mais ça va encore. Ça va encore. On peut largement survivre comme ça. Vas-y, prends le trou de verre. Je peux le prendre comme ça ou pas? Non, je peux pas le prendre. Il faut que je pose la pelle. Ah, mais j'ai deux spires sur moi. Pourquoi j'ai deux spires? Hop. Voilà. Et on rentre. Et il pleut plus en plus, mais c'est magnifique. Home time. Pourquoi c'est écrit home time? Ah, c'est parce que j'étais... Ok, c'est parce que j'avais la souris quelque part. Full of emptiness. Non, ça va. Ça va, ça va, qu'est-ce que tu racontes? Je vais me déséquiper de ça, je vais m'équiper de ma spire. Et on est chez nous. On est chez nous, c'est parfait. Du coup, faire à manger, il me faut de la rotte. Il faut que je fasse de quoi... Oh oui, on a plein de fruits. On a plein de fruits. Du coup, je vais mettre au frais tout ce que... Non, pas ça. Hop, ça, ça, ça. Cook. Je mets au frais ça, 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 ça. Ça, je peux pas. C'est bon. Je peux poser également ceci. Nickel. Alors, je me suis un peu renseigné sur les apparitions de Krampus. Donc, Krampus apparaît aléatoirement entre 30 et 50 de cette valeur-là. Et on perd un toutes les minutes, c'est-à-dire on peut perdre jusqu'à 8 points par jour in-game. Donc ça va, de toute façon là on n'assassine pas trop de mobs. Tiens, je vais cuire ça et je vais le manger, ça me heal pas mal je crois. Ouais, ça me heal de 20, donc c'est chouette. Je vais pouvoir aller donner des choses à mon roi cochon, c'est-à-dire ceci. Je vais pouvoir également poser ça. Poser... Est-ce que j'ai autre chose à donner au roi cochon? Non. Non, non. Mais... ah, j'ai des baies. J'ai des baies. Je peux poser quoi dans mon inventaire? Ah, j'ai ça, mais trop frais. Voilà. Ça, je récupère. Ça, j'ouvre. Ça, hop. Alors, viande. Comme ceci. Cook. On a les poissons également. On peut faire des stickfish. Des bâtonnets de poissons. Je vais aller récupérer mes baies. Alors, faut pas ramasser les baies, les arbres à baies où il y a peu de baies comme celui-ci ou celui-ci. Là, on peut. Celui-ci, je crois qu'on peut. Ouais, c'est ça. Celui-là, on peut. Ces deux-là, on peut pas. Celui-ci, si je peux. Ah, quoique. Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est peut-être que au printemps qu'on peut pas. Je suis pas sûr. Ok, il y a des glouglous. C'est pas grave maintenant. On fait comme ceci. Voilà. Encore des meatballs, on en a vraiment beaucoup. Je vais manger... Pas maintenant, on va attendre un petit peu. De toute façon, là, c'est la nuit, ça va être le jour. On va aller donner ce qu'on peut donner au roi cochon. Ça, il faut que je le mette sur ma machine. Du coup, on va avoir 3 pièces. Bientôt, la machine complètement, hein, complètement prête de reroll. Allez, cuis ça. Avec ceci, cook. Je pose ça, ça je garde sur moi. Je vais ramasser ça pour aller le poser. Et on va donner nos deux trucs comme ça au roi cochon. Il faut que je plante également mes arbres à baies. Et après, mais honnêtement, non, il me manque vraiment juste l'arme. Il me manque l'arme, c'est tout ce qui me manque. Et après, on serait au taquet pour partir dans les grottes. Hein. Il me reste combien de jours? Il me reste 5 jours avant l'hiver. Donc on est large. Il faudra que je crafte une pierre de chauffe.
Et éventuellement, il faudra que je capture 4 lapins pour me faire la machine. Ça pourrait être bien. Allez, on donne ça au roi cochon, on donne ça au roi cochon, on donne ça au roi cochon, et on a plein d'or. Plein d'or, on pourra se faire des outils en or du coup. À différence de Minecraft, les outils en or ont une beaucoup plus grosse durabilité que des outils normaux. Donc c'est très bien. On va bientôt avoir la deuxième attaque des Arns aussi. Deuxième attaque des Arns qu'on va pouvoir lancer sur les coéléphants. Et on va pouvoir rentrer dans les grottes ici. Hop. Et hop. Ah oui, mais avec mon or, je peux me crafter des gears également. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ouais. Parce que là, bouffer des gears... Je sais pas combien c'est le max de gears que je peux bouffer en tant que petit robot. Mais je peux en bouffer pas mal pour augmenter mes stats max. Ce qui pourrait être plutôt sympa. Meatballs, on récupère. Est-ce que j'ai pas des... Si, j'ai des champignons cuits. Est-ce que j'ai des trucs à faire cuire? Non, j'ai plus rien à faire cuire. Hit, ça. Voilà, santé mentale qui est remontée au max. Je vais manger une meatballs pour me heal. Alors, ceci avec un stick et deux baies, je crois que ça, ça va me donner des bâtonnets de poisson. Est-ce que j'ai de la rotte? Est-ce que j'ai de la rotte? Vérification. Je crois pas. Si, j'ai 6 de rotte, parfait. Hop, et on va planter nos 12 arbres à baies. Tac. Vas-y, fertilise, fertilise et fertilise. Planter ces arbres à baies là. Allez. Alors, je peux pas tout près de la tiki torche, malheureusement. Il va quand même falloir que je pose. Que je garde un endroit pour poser les machines anti-incendie. Parce que là, ce serait con que tout ça brûle. En été, on a encore le temps pour voir ça. Il va falloir qu'en hiver, je récupère pas mal de glace. Pas mal de glace. Je peux ramasser Gloomer Gloop qui me sert en soi à rien à part baisser ma sanity. Et c'est bien ça, des bâtonnets de poisson. Des bâtonnets de poisson. Hop. Je vais encore en faire d'autres. Tac. Tac. Une baie et un maïs. Voilà. J'ai plus de graines. J'ai plus de graines. Je peux plus rien planter. Je pourrais me faire ma cage à oiseaux. Structure. Cage à oiseaux. Elle est où? C'est pas dans structure? Si, elle est là. Il me faut deux graines et deux papyrus. J'ai pas de papyrus. Ah bah tiens, ça a pas fait la même chose là. Taco de poisson. On pose ça, pose ça. Ceci avec ça. Ça et un durian. Cook. Voilà. Ouais, du coup, ah, là il y a de la rotte, il y a un poisson, je pourrais presque buter lui. Ouais, ils ont 150 de vie quand même. On va éviter tout de suite. Je peux couper ces arbres. Ah, encore des... Comme ça. Ça, ça me heal de 8. Ouais, vas-y, voilà. Je vais utiliser ceci sur mes arbres à baies. J'ai pas d'autres rotte qui traînent, non. Hop, on met ça là-dedans. Et je voulais couper mes arbres. Couper les arbres. Donc je vais utiliser mes outils pour la dernière fois en pierre et après je vais les faire en or. Parce qu'on a 17 d'or. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais faire quoi avec de l'or? Je sais plus. Je vais faire des trucs avec de l'or. Il y a un feu à faire. Mais sinon, à part mes outils, rien il me semble. Enfin le feu endothermique. Je pense que je vais craft déjà... Ah oui, il faut que je capture des lapins. Ça, je vais les capturer des lapins après. J'ai des trappes qui sont prêts. Bah tiens, voilà. Là, je coupe mes arbres, ça me fera du bois en réserve. Je pourrais augmenter la taille de ma forêt aussi. Et il faudrait que... Je pense que je mette un ou deux paratonnerres en plus. Par sécurité. Parce que j'ai vraiment pas envie que ma base brûle. Si jamais on a le boss de la... Le boss de l'hiver qui apparaît. Le boss de l'hiver qui apparaît dans notre base, c'est pas sûr le premier hiver qui vienne. Mais si jamais il vient, il faut absolument, dès que possible, que je m'éloigne de ma base. Allez, je vais récupérer ça. Et regardez, là, normalement, si je le bute, ça va passer à 1.
Voilà, c'est passé à 1 en fait, mon numéro ici. Du coup, je peux me faire une petite meatballs en plus. Tac, tac, et champignons. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir me faire une hache en or. Voilà. Et là, du coup, ça... Oh, attendez, il y a le triangle qui est juste là, par contre. Faut que je me gaffe. Bon, quoi qu'on s'en fout. Au pire, j'ai pas mal de... J'ai de quoi en replanter. Et ça fait ding quand on l'équipe. Excusez-moi. Je crois que le train, on me voit même pas. Ouais, il s'est endormi. Ah non. Ah, je crois qu'il m'a vu cette fois. Tu m'as vu? Non, tu m'as pas vu. Bon, je vais éviter de l'énerver. Je prends les meatballs. Je vais pas en manger une tout de suite. On va les mettre au frais. Je peux manger les fleurs, par contre. Voilà. Et je peux replanter... Non, écoutez, je vais le buter. Je vais couper ça. Ouais, ça l'a réveillé, évidemment. Et je vais essayer de le calmer derrière. Allez, vite, c'est bon. Il est coupé. Plante. Oui, tu devrais être content, là. Regarde, je te plante des amis. Pas encore? Sérieux? Oh, t'es pas cool, mec. Ah, c'est pas cool, mec. On va ramasser ça. On va attendre qu'il vienne un peu plus vers moi. Et je vais encore en planter. Combien il a de PV? 1900. C'est un peu beaucoup, quand même. Surtout que j'ai qu'une petite arme. Allez, je plante. Regarde-moi. Regarde, je suis gentil, je plante des arbres. Voilà, merci. Par contre, ça m'emmerde que tu sois là. Honnêtement. Tu mets pas le feu, là. Non, c'est bon. Bah, écoutez, on est pas mal, là. On est pas mal. Et du coup, prochain jour, qu'est-ce que je voulais, quoi? Je sais plus. Je sais plus. J'ai toujours pas été récupérer mon marbre. Avec toutes ces histoires. Idéalement, faudrait que je... Les tréants, là, faut que je les attire ici. Pour l'hiver, ça peut être bien pour buter les morses, parce qu'avec ça, on peut faire la canne de marche. Canne de marche qui permet de marcher plus vite quand on l'a. Et du coup, en fait, le seul moyen de les faire, c'est avec une dent de morse. Les dents de morse qui ont 50% de chance de loot quand on tue un morse. Le problème, c'est que les morses, ça pique. C'est un petit peu dangereux de les attaquer de front, en fait. Voilà, on s'est fait une forêt. Ah oui, je voulais faire des... Je plante. Allez, plante encore le dernier. Voilà. Ceci, il me faut des pierres lisses. Des pierres lisses. J'en fais deux. Parce que les paratonnerres, on en a un là. J'en avais pas fait deux. Oh, j'en ai fait qu'un. Le deuxième, je vais mettre là. Là. Pas un endroit où je peux le poser, là. Voilà, là c'est très bien. On en a un là. Un là, j'ai des baies dispo. Ouais, je pense que c'est que au printemps que les arbres à baies sèchent si jamais on les prend trop vite. Et même encore en poser un. Ici. Voilà. Hop là, ceci, on n'a plus de viande, en stock, c'est pas grave, du coup je vais manger ça, voilà, on est maxi en termes de vie, voyons voir les machines qu'on peut crafter, que je n'ai pas encore fait, alors à part la machine anti-incendie, la gun powder, ah ok, comment faire de la gun powder, c'est là, rainomètre, ça peut être pas mal pour savoir quand il va pleuvoir, mais bon après en soi on s'en fout un peu de savoir quand il va pleuvoir, le thermal mesureur on s'en fout, on le voit là, Devening Rod, ah oui je sais, il faut que j'aille capturer des lapins, voilà, pour ça, je fais comme ça, parce que là je veux me crafter ceci, 4 lapins, un chapeau haut de forme, le chapeau de forme qui se fait avec 6 toiles d'araignée, donc il faut juste que je capture mes 4 lapins, j'ai 6 toiles d'araignée au fait ou pas, on va vérifier. Les lapins n'ont pas une durée de vie infinie. J'en ai 4, j'en ai que 4. Donc il faut que j'aille chasser un petit peu les araignées. C'est très bien, il faut que je le fasse de toute façon. Voilà, les ken, les camps là. Dites-moi que c'est un camp. Putain, fuck, c'est un camp niveau 3. C'est un putain de camp niveau 3. Allez, venez les araignées. Voilà, je les ai vénères. Il y en a certaines qui vont me lâcher.
contre, les jaunes vont me faire chier. Voilà. Parfait. Il y en a une. J'en ai une là. Ok, de la viande. Bah voilà, on avait besoin de viande également. Ouais, mais par contre, les jaunes, elles piquent un peu. Elles ont 200 PV en plus. Pourquoi c'est que les jaunes qui m'aggro? Oui, ok, il y en a une. Une, je peux me la faire. Voilà. Par contre, ça me donne des trucs de heal. C'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Vas-y, saute. Voilà. Une à une, je peux les faire. Elles ont pas le temps de m'attaquer en plus. Voilà, ça c'est cool. Donc là, il y en a de moins en moins. Normalement, il y en a plus qu'une des jaunes. Voilà, ouais. Hop, 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 hop. La jaune, je l'attaquais. Normalement, c'est la dernière qui va m'aggro. Voilà, les noirs qui commencent à m'lâcher. Et il me reste que. Non, la jaune, la jaune. Hé. Viens ici. I will destroy you. Je sais pas. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Allez, viens la jaune, combien il te reste? Ok, un coup et je l'ai. Voilà, elle est morte. Allez, masque les noirs, c'est le plus simple. Et de une, blablabla, je prends pas très cher, hein. Je prends vraiment pas très cher. Voilà, c'est très bien. Et du coup, je pense qu'il n'y a plus d'araignée dans ce camp. Je pense qu'il n'y a plus d'araignée dans ce camp. On va vérifier. Je pense qu'on les a tout de suite. Ah, s'il en reste une. Voilà, du coup on ken ce camp là. Ah, c'est les camps niveau 3, c'est tendu. Ne m'aggro pas s'il te plaît. Voilà, et au pire je vais avoir de quoi en replanter un de camp. Je le garde, hein. L'œuf là ça me permet de replanter un camp d'araignée niveau 1. Ok, ensuite ici, là il y a toutes les araignées qui sont encore là. C'est la nuit, je vais peut-être me tirer. J'ai de quoi me faire du coup le chapeau de forme. Pas mal, pas mal. On s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Je ramasse le Gloomer Gloop. On le pose. Mets-toi l'araignée, du coup, je peux les poser là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut à part ça pour faire le divining machin? 4 lapins, 4 planches. Ok, des planches, normalement j'ai du bois. Moi j'ai 45 de bois, donc c'est bon. Donc tout ce qu'il va me falloir, ce sont les 4 lapinous. Ce qui n'est globalement pas un problème. C'est pas encore la nuit, je peux essayer d'en aggro encore une ou deux des araignées. Je sais pas combien de temps il faut pour qu'elles repop. Et là, l'avantage c'est qu'on a déjà éloigné un. Enfin, on a déjà éliminé un des camps. Voilà, hop. Mais y a pas d'araignée jaune. Et l'une. Ouh, par contre il y en a beaucoup, hein. Elles sont des milliers. Allez, venez. Hop. Alors ça c'est celle que j'ai tapée normalement. Venez, venez, venez. Oh, un peu trop là. Un petit peu trop, attendez, je vais me heal un petit peu. Ouais, 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 ouais. Calmos, 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 calmos. Non, ok, ça me prend un petit peu trop de temps pour le pour utiliser, voilà. Elles sont en train de s'éloigner. Elles sont toutes là, elles sont toutes là. Voilà, il y en a de moins en moins. Hein. Il y en a de moins en moins, elles sont toutes à 100 PV. Il n'y en a plus qu'une qui me suit. Hop là, une de moins. Il faudrait que je récupère la viande de monstre ici. Il y en a 3. Aïe. Allez, venez. Attendez, là, c'est un peu la merde quand on se balade là-dedans. Il y en a 4. Voilà. 78 PV, donc c'est tranquille. C'est tranquille. Facile. Facile, la destruction d'araignées. C'est ma passion. Ça marche bien. Et je pense qu'il n'y en a plus beaucoup dans le camp du coup avec ça. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. En espérant que qu'elle ne repop pas pendant la nuit. J'ai pas mal de trucs de heal. On a 7 trucs de heal d'araignées. Aïe, voilà les hounds. Les hounds qui ne vont pas tarder. Ils arrivent pile au bon moment. Something is coming. J'espère que ce sera juste pendant le jour, comme ça je vais aller chez les tréants. Je vais manger un coup.
Voilà. Au pire, j'ai mon casque de mineur. Ah, par contre, va falloir que je me refasse une armure. Meatballs. Hop, je pose ça là-dedans. Hop, 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 hop. Cook. Je garde une meatball sur moi. Ma spear est à 30%, ça va. Je peux déjà me refaire une armure éventuellement. Qu'est-ce qu'il me faut? Une corde, hein, je crois. Il me semble que c'est une corde. Deux cordes. Voilà. Allez, du coup, comme les Hans arrivent, on va aller vers les Tréants. Tiens, encore un machin qui traîne là. Encore un machin qui traîne là. Magnifique. Il y en a encore des araignées? Ouais, encore une ou deux. Trois. Allez, je profite pour révéler un petit peu la map. Bon, arrêtez de gueuler et venez là. Bande de cons. Un living wood! Ouh, ça c'est très bien ça. Voilà pourquoi c'est toujours utile de révéler la map. On a un living wood. Allez, vers les Tréants. Les voilà qui arrivent. On a un Tréant isolé ici. Ah non, ils viennent pas? Ah si, voilà, ils sont là. Voilà, donc là il suffit que un... Oh putain, il y en a un de feu. Faut faire attention à lui. Il va mettre le feu à toute la forêt. J'ai bien fait de me barrer de ma base. Hein. Voilà, si un... Voilà, c'est bon. C'est gagné. Par contre là, voilà, il a réussi à mettre le feu. Il y a peut-être des Tréants qui vont mourir du coup. Par contre, le cochon les attaque. Ok. Je vais ramasser les cendres. Également, il y a papillon. Ok, il y a un grand feu. Je vais essayer de pas mourir du feu non plus. Merde, j'ai plus de place. Je vais poser ça ici. Ouais, ok, les Tréants qui s'éteignent d'eux-mêmes. Par contre, toute la forêt brûle. Oh, de la viande. De la viande. Je vais manger ça pour me heal. On va récupérer la viande. Il y a tout qui brûle, saloperie. Est-ce qu'il m'a droppé au moins une émeraude? Bon, il a peut-être cramé l'émeraude. Hein. Les Tréants qui prennent 200 PV. C'est nul. C'est nul. Est-ce que je peux récupérer la cendre vite fait? Comme ça, je vais pouvoir me faire des machins pour me raise. Non, ok, c'est envolé. Bon, ben ça, c'est fait. Les Hounds qui sont morts. Maintenant, nous, on voulait les... Bon, j'ai mon inventaire qui est plein. On va juste faire des meatballs. En plus, on a des baies qui ont poussé. Ah. Alors, mets ça là-dedans. Mets ça là-dedans et ça là-dedans. Maintenant, je récupère ça. J'ouvre ça. Tac, tac. J'ai rien à mettre avec. L'oiseau. Me donne une plume. Ok. Là, j'ai un petit... truc à faire cuire, à mettre là-dedans. Il va m'en manquer un. J'ai plus de champignons non plus. J'ai plus de champi. Ça, je peux faire cuire. Ça, normalement, ça le vénère pas le Tréant. Non, ça le vénère pas, c'est bon. Je vais tous les faire cuire. Comme ça, je vais pouvoir faire des meatballs avec. Et on sera pas trop mal. Et on va finir le camp d'araignée. Voilà, cook ceci, cook. Dans mon coffre, on va mettre rien du tout ici parce qu'il n'y a pas de place. Rien du tout ici parce qu'il n'y a pas de place. Ah, j'ai 4 graines qui traînent. Encore un oiseau qui a été pris au piège. Hop, ceci, ceci et ceci. Du coup, celle-là, je peux la laisser là, même si elle se fait bouffer, c'est pas très grave. L'oiseau. L'oiseau. Ceci avec ça. Cook. La nuit arrive, j'ai le temps encore, je vais vite aller me faire le camp d'araignée. Mon inventaire est plein, c'est pas un drame. Oh si, je pourrais peut-être presque poser quelque chose. Qu'est-ce que je peux poser de beau? Je vais poser le nid d'araignée. Et ça, je peux poser aussi. Hop, ça ici, les deux cordes. Oui, me refaire l'armure, du coup celle-là, je pense que je peux pas la brûler. Hein. Ah, le fuel, si. Voilà, et du coup, je peux me refaire une armure sur mesure. Parfait. Du coup, va pour les araignées. Les araignées, où êtes-vous? Là. Ah, il n'y a plus de jaune, c'est bien ce que je pensais. Allez, venez. Oh putain, il y en a beaucoup par contre encore. Il y en a encore beaucoup.
Voilà. Facile à kite, hein. Les araignées, c'est vraiment facile à kite. Mais là, j'ai ripé ce bouton. C'est la seule raison pour laquelle je me suis pris un coup. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ma santé mentale est un peu basse, par contre. Faudrait peut-être que je la remonte. Après, j'ai Gloomer. Hein. Je reste vers Gloomer et c'est bon. Et là, combien il en reste? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah, s'il y en a encore deux. S'il y en a encore une. Voilà, je vais toutes les aggro. Comme ça, ce sera fait. Voilà. C'est encore une. Allez, viens là. Par contre, le nid d'araignée bouge. Alors, c'est possible qu'il se transforme en reine araignée. Mais il me semble que c'est au tout premier coup que je lui donne qu'elle se transforme en reine araignée. Ah bah, il y en a une qui a repop, tiens. Et j'ai cassé ma aspire. Fuck. Je vais aller la refaire. Je vais aller la refaire. Pour ça, il me faut une corde. Oui, une corde. T'es morte. Du coup, on va avoir des tôles d'araignées en rab. Hein. Ah, yeah. On ramasse tout ça. Et on casse. Non, 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 pas ça. Voilà. Combien de PV? Ouais, on est à plus de la moitié. Donc, c'est bon. Du coup, on n'a plus d'araignées près de chez nous. S'il y a encore un petit camp. On peut aller se faire encore le dernier camp après. Peut-être demain. Je sais, regarder, c'est un camp niveau 3 aussi. C'est également un camp niveau 3. Plus tard, plus tard, plus tard. Mais on les a bien gérés, hein. On les a bien gérés, c'est cool, c'est cool. Et du coup, c'est l'heure de se laisser, les gens. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour la suite. Pouce vert, commentaire, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve demain, c'était As2, bonne journée à tous, à la prochaine. Ciao, ciao. Hop, et je mets bien le jeu en pause cette fois.